Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de senteurs, d'aromathérapie. On va parler de diffuseurs de la marque Yundo. Cette marque est une marque de produits high-tech. Mais avant tout, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à rejoindre la chaîne comme membre pour obtenir votre premier badge et bien plus dans le futur. Rejoignez cette chaîne. Voilà, donc on est sur une grosse boîte carrée avec en façade notre diffuseur. Ce diffuseur d'aromathérapie est très spécial, il est très esthétique, de couleur bois, de très grosse taille, puisque son contenu est de 400 ml. Allez, donc on ouvre cette boîte et on va découvrir ce diffuseur dernier cri d'aromathérapie. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. On retrouvera à l'intérieur le petit manuel qui sera donc lui aussi en français. Voilà tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette boîte. Alors, comme vous pouvez voir, je vous le mets de très près sur votre écran. Ce diffuseur est déjà très design. Il va s'intégrer parfaitement bien à tout intérieur sans aucun problème. On peut s'apercevoir sur le dessus qu'il y a un trou qui diffusera donc l'aromathérapie. Le dessus est strié. On va l'ouvrir. Et à l'intérieur, on retrouve le petit récipient qui va nous servir à remplir notre diffuseur aromathérapie. Alors attention les amis, ce diffuseur sera donc à gagner pour le prochain concours. Je contacterai une personne qui aura mis son plus beau commentaire sous cette vidéo et je lui offrirai ce diffuseur. On va trouver donc la petite prise connectée tout simplement. Et la connexion se trouve donc sous votre diffuseur. Alors, on peut remarquer ci-dessous que l'on a deux codes QR pour télécharger l'application aussi bien sous Android que sous iOS. Ça se passe sous votre diffuseur. Une fois la prise murale connectée, vous allez avoir des petits boutons en façade pour allumer et pour activer le Bluetooth et la lumière de votre diffuseur. On va tout de suite le remplir. Et on va tout de suite télécharger l'application, c'est parti. Nous allons tout d'abord brancher notre diffuseur. Alors, comme vous avez pu entendre, lorsqu'on branche le diffuseur, un petit bip se fait entendre. Le premier bouton complètement à droite allume le diffuseur et une petite lumière apparaît tout de suite ici. On va remplir notre petit diffuseur avec de l'eau. On va tout de suite se diriger dans le panneau de contrôle de notre iPhone et on va aller sur scanner de code. Centre de contrôle, page 2 sur 2, appareil photo. Et on se dirige sur scanner de code. Scanner de code, je l'ouvre. Scanner de code. Et ici, scanner de code, chercher un code à scanner. Lampe, torche, bouton, désactive adresse. Donc ce que vous faites, si vous avez donc un iPhone ou un Android, vous numérisez le code QR qui se trouve derrière. Sinon, dans l'App Store, vous allez rechercher l'application Yundo. Yundgdo. Alors, cette application va vous permettre de gérer votre diffuseur d'aromathérapie via votre smartphone et via cette application. Et ça, c'est super sympa. Alors, question huile essentielle. Vous pouvez avoir de l'huile essentielle en grande surface, n'importe où. Moi, ici, j'ai mis une huile essentielle à l'orange, ça va être génial, une ambiance super sympa. J'ai mis mes 400 ml d'eau avec mon huile essentielle et je vais remettre le capot par-dessus. Voilà les amis, on va donc allumer et appairer maintenant notre diffuseur d'aromathérapie. C'est cool, on l'allume. Alors déjà, on peut voir la fumée sortir de notre diffuseur. C'est vraiment ultra sympa. Alors regardez-moi le jet de diffusion. C'est vraiment ultra beau.
on dirait un petit volcan, c'est vraiment ultra sympathique. Ah putain, et puis on peut dire que ça sent bon les amis. Allez, je la perds tout de suite, c'est parti. Alors, regardez ici à l'intérieur, on a un petit jeu de lumière. Alors, on peut donc lui laisser un jeu de lumière. Ici, on est sur du violet, sur du bleu. C'est vraiment ultra joli, ultra sympa sur un meuble. Je peux vous dire que ça parfume, ça donne une certaine ambiance au niveau de la senteur et des odeurs. C'est vraiment ultra génial. Le diffuseur d'aromathérapie est vraiment très très beau. On passe du vert au bleu, au rouge, au violet, au rose. Je vous conseille, ici on est passé sur le rouge. Si vous avez vraiment envie d'avoir une très belle ambiance sonore et diffusion d'aromathérapie, c'est vraiment un appareil à vous procurer pour moins de 50€. Vous allez pouvoir faire l'acquisition de ce diffuseur et c'est vraiment ultra sympa. C'est vraiment beau. Allez, on va tout de suite l'appairer, c'est parti. Ce diffuseur d'aromathérapie est entièrement compatible iOS Android. Une ambiance diffuse. Il vous fait une ambiance dans la maison si vous aimez ces odeurs. Et si vous aimez la luminothérapie et en plus la musicothérapie, vous avez vraiment un 3 en 1. On va l'appairer tout de suite. Ouvrir. Ouvrir. Avertissement. Windows souhaite utiliser le Bluetooth. Tout de suite, l'application vous demande si vous voulez donc utiliser le Bluetooth, on va dire oui. L'application Yundo nécessite une connexion Bluetooth pour activer la diffusion de l'arôme, le contrôle de l'éclairage et les fonctions audio. Allez, c'est parti. Ne pas autoriser. Ok, bouton. On autorise. Yundo, bleu inconnected icon. On a donc les deux boutons dessous. Sélectionner. Switch white. Sélectionner. Continue. Marche barre oblique arrêt. Le bouton marche arrêt et le bouton continue. Continue. On peut donc régler le G si on veut un grand G, grand, moyen petit. Ou petit. Tout en bas, vous avez donc quatre onglets sélectionnés. Brouillard. Avec donc brouillard. Lumière. Onglet. 2 sur 4. Les lumières que vous pouvez gérer directement de votre iPhone. Ici, je vous mets en gros. C'est vraiment ultra beau. Musique. Onglet. 3 sur 4. On peut donc gérer la musique, donc lancer de la musique sur l'appareil. Avertissement. Souhaite accéder à Apple Music, à votre activité musicale et vidéo, ainsi qu'à votre bibliothèque multimédia. Voilà, donc il vous demande si vous autorisez d'accéder à la musique. Incognito, ne pas autoriser. Ok, bouton. On dit ok. Bah. Vous pouvez donc mettre une musique et ça va être balancé sur l'enceinte. Bien sûr, pour transmettre la musique à votre enceinte connectée, donc au Yundo, il vous faudra aller dans les paramètres ou dans les réglages de votre appareil Bluetooth et Yundo tiré du bas bleu, connexion aux autres appareils. Yundo tiré du bas bleu, oui, bouton. Yundo bleu, et là, on va l'appairer. Oui. Yundo tiré du bas music, bouton. Et on a donc Yundo music. C'est parti, on l'appaire. Yundo tiré du bas music, connexion en cours. Alors, comme vous pouvez voir ici, lune. Sélectionner. Lune. On peut choisir bouton. Extérieur. Sélectionner. Extérieur. À partir de l'iPhone ou de l'Android. Bouton. Les couleurs que l'on veut, c'est vous qui choisissez à partir de votre iPhone. Et ça, c'est vraiment ultra, ultra sympa, franchement. Et la diffusion est vraiment très, très bonne. C'est vraiment génial. Comme vous pouvez voir, ça envoie du lourd au niveau de l'aromathérapie. C'est vraiment génial. On peut, si on le désire, ici, arrêter ou activer la lumière. Et je peux vous dire que ça sent ultra bon. L'application sur iOS est assez accessible. C'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez une ambiance vraiment géniale côté aromathérapie, luminothérapie et côté musicothérapie, puisque vous pouvez mettre des musiques d'ambiance spécifiques à nature et découverte. Que pensez-vous d'un tel produit ? Pour ma part, il est installé dans mon salon. Je vous en fais gagner un. C'est à gagner, c'est sur Vision E-Tech, les amis. N'hésitez pas donc à vous abonner, à venir me rejoindre. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision E-Tech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, accessible bien sûr. À bientôt pour une prochaine. Salut à tous.